Hocine, c'est mon grand frère. J'ai souhaité postuler pour porter la flamme parce que c'était vraiment une opportunité de lui rendre hommage. C'était un modèle aussi de courage, de force, de dépassement de soi. Il a souhaité mettre au service de l'État ses compétences en devenant plongeur dans la gendarmerie. Il y a 8 ans, en 2016, on a cet appel qui nous annonce que Hocine nous a quittés lors d'une mission. J'ai hâte de l'avoir porté la flamme. C'était extraordinaire. C'est un jour dont je me souviendrai toujours. Je suis très fière d'elle parce que au moins la flamme, ça représente les héros du quotidien qu'on remarque parfois ou pas.